Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour la 56e partie de notre aventure sur Pokémon version platine. Et aujourd'hui, on va donc capturer le troisième Pokémon légendaire. Enfin, oiseau légendaire, hein. Chaque fois je dis Pokémon, mais c'est oiseau. Ouais. Mais c'est aussi le plus dur, hein. Et oui, c'est Elector qui reste. Ouais. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on va y arriver. Bon. S'il veut pas venir, c'est embêtant quand même. Puisqu'il s'est même pas approché. Hein. Il est même pas allé sur la route d'en dessous pour l'instant. Il fait une promenade vers Littorella, là. Bon, maintenant, il est à Verchamp. Ok, il veut pas venir là. Hein. Ouais, ouais, il veut pas venir. Il est long hein, pour venir sur la bonne route là. Bon, ça serait cool qu'il vienne là. Parce que ça commence un peu à être long. Ah, il s'est approché là, mais il est reparti. Sympa. Ok, c'est bon. Enfin, au bout de 2 minutes quand même. Hein. Alors, par contre, on n'est pas tombé sur lui, on est tombé sur un Mustéboué. Ça, c'est moins cool quand même. Donc on va faire fuite. J'espère qu'il va pas s'enfuir de la route parce que des fois. Oh non. Non, non, mais non. Parce que quand on croise des Pokémon sauvages, il y a une chance pour qu'ils s'enfuient. Pour qu'ils partent de la route. Et c'est ce qu'il a fait là. Donc c'est pas sympa. Du coup on doit le On doit encore le chercher là. Bon, là, il s'est éloigné un peu. Hein. Il est vers Rivamar. Donc, ah, bon, bah, il est revenu d'un coup. Hein. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Allez. C'est lui. Alors, il a moins de PV que la fois où j'avais fait le fail. Hein. Que je l'ai bien sûr je l'ai combattu des tonnes et des tonnes de fois, ce qui fait que quand il a perdu des quand je lui ai enlevé des PV sans l'empoisonner et sans que qu'il y ait de trucs qu'il fallait pas laisser comme j'en sais rien moi qu'il ait plus d'attaque plus du tout d'attaque avec seulement lutte, ça aurait été dur. Hein. Je sais même pas si j'ai fait regard noir là, je pense. Hein. Normalement, j'ai fait. Ouais, voilà, j'ai fait regard noir. Hein. J'étais même plus sûr. Je l'ai fait il y a. Je l'avais fait il y a 20 secondes. Mais je m'en rappelais plus. C'est super. Allez, là il fait coup de jus. Voilà, donc comme exactement comme je l'ai dit dans la vidéo de Sulfura, ils nous paralysent tout le temps
Et en plus, il enlève plus de la moitié de notre vie, ce qui fait qu'à chaque fois, on est obligé de se soigner. Et c'est très, 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 très énervant. Ok, alors pour l'instant, tant qu'il fait pas atterrissage, hein, si on est paralysé, c'est pas très grave. Pour lancer des boules, ça sert à rien, enfin ça change rien d'être paralysé. Ok, donc là, le gros problème avec lui, c'est qu'on est obligé de lui faire croche venin. Donc ça va être un peu chiant. Voilà, déjà rien que ça, s'il fait que des atterrissages à la suite. Et puis si on est paralysé aussi, vas-y. Ça commence déjà à être lourd. Allez, croche venin. Faut pas que ça l'empoisonne. Ok, on lui en refait un. Et on va avoir mal aussi. Très mal même. Ok. Le principal, c'est qu'il n'est pas fait de coup critique. Qu'on n'empoisonne pas. Ok. Donc là, du coup, on va mettre une guérison. Ça sera mieux. Comme ça, ça nous guérit la paralysie plus. La paralysie plus la vie en un seul objet. Donc là, on utilise une hyperbole. Ok, il fait même pas un rebond, il est sympa. Ouais. Allez, on y croit. Il va rentrer. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir, mais il va rentrer quand même. Il est obligé. Alors, chargeur, ça fait très mal. Hein. Quand il nous fait chargeur et qu'il nous attaque après, on risque très fortement de se faire one shot. Hein. Donc, c'est pas cool s'il nous attaque maintenant. Et c'est très cool ça, on l'a eu en même pas une minute, moins de temps que Sulfura. Et ben voilà, c'est parfait les amis, c'est parfait. Alors désolé, je fais un petit peu bouger la caméra. Ok, donc il mesure 1m60, il fait 56 kg, on veut pas le renommer, il se fait envoyer dans la boîte 1 du PC. Et voilà, on a capturé les trois oiseaux légendaires. Ok, allez, on y va maintenant. Allez, on rentre dans le centre Pokémon. D'ailleurs, on va déposer nos Stanfer, hein, parce qu'il n'y a plus de Pokémon qui s'enfuient dans la région. On les a tous eu. En tout, il y en a 5. Donc, c'est... Créfolet, Cresselia, voilà. Articodin, Elector et Sulfura. Donc on va voir. Non, les stats de Elector. Ok, donc il est pas mal quand même, Elector. Hein. Moins bien que Sulfura, mais il est pas mal quand même. Euh,
Ouais, on veut continuer parce que j'avais oublié de le reposer, de reprendre notre Simia Braz. Puis voilà, on va se laisser là. Alors j'ai vraiment eu de la chance là, hein, parce que c'est la première tentative depuis que j'ai capturé Sulfura. Donc j'ai eu les deux à la suite en fait. Donc voilà, beaucoup de chance. Allez, donc je vous dis salut tout le monde et à bientôt dans l'épisode 57.